De retour pour l'émission spéciale Noël sur Plage FM. Nous sommes en direct du magasin Jouet Club à Biganos avec François, avec Mathieu, Marvin, Nicolas, Benoît de Sportmaster Coach. On a Damien Sarr qui est avec nous également. Alors, ça va moins vite que tout à l'heure quand même. Genou, épaule, ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'il y a de la place, mais pour un pas pour deux. Un pas pour deux. Et nous on va, leur guerre on la fera pas. On sait même pas pourquoi tout ça c'est jeu de roi. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? On sait que le temps c'est comme le vent, de vivre y'a que ça n'importe quoi. C'est comme le temps, c'est comme le vent. Damien, enchanté. Bah Damien, enchanté. Eh ben moi c'est aussi Damien. J'adore. C'est fou ça. Est-ce que tu rencontres pas de plus en plus de Damien depuis quelques années? Ouais. Je trouve qu'il y a de plus en plus de Damien. C'est vrai. C'est un prénom magnifique, on est d'accord. Mais on a un point commun, on est tous beaux. Voilà, exactement. Je me suis amusé à regarder l'étymologie de Damien sur internet. Alors qu'est-ce que ça dit? Moi je trouve que ça nous correspond beaucoup, mais surtout à toi. En amour, déjà ça parle d'amour. Damien est un gentleman romantique. Ben, j'aurais envie de dire oui. Ouais, parle, ma femme, quand on lui dit que je suis romantique, elle me dit ils te connaissent pas les gens. Ouais. Alors ça dit aussi qu'il est très courtois, il n'est jamais brusque ou pressant et comprend bien ce que désirent les femmes. Écoute, moi j'ai envie de dire que tout est vrai. C'est exactement ça. Moi je pense que ça te correspond. Hein, moi aussi forcément. Ça nous correspond, on est d'accord. Ouais, des charmeurs. Non mais toi plus que moi, parce que toi tu as quand même la voix. Mais on t'a découvert dans des comédies musicales romantique, oui. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, exactement. Voilà, ouais. Notamment, et dans plein d'autres, dans Les Mousquetaires, oui. Tout récemment dans Bernadette, si je ne me trompe pas. Exactement, aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Et en ce moment, dans le retour des comédies musicales, Le Concert. Exactement, comédie musicale Le Concert, où on est plusieurs chanteurs venant tous de la comédie musicale. On se réunit comme une bande de potes sur scène, et puis on chante que des chansons de comédie musicale, que ce soit autant francophone qu'anglo-saxonne. Et c'est un vrai plaisir. Je revenais d'un concert hier soir où on a fait ça en région parisienne et le public chante en 2 secondes. On commence une chanson, on chante avec le public non-stop. C'est une fête pendant 1h30, quoi. Alors tout à l'heure tu disais en off, Starmania quand c'est sorti ça n'a pas forcément eu le succès voulu en France, mais ça a marché au Québec. C'est vrai, ouais. Puis après est sorti Notre-Dame de Paris, puis ouais. Roméo et Juliette. Puis après il y a eu un petit temps de pause. Ouais. Et là j'ai l'impression que ça revient, les comédies musicales reviennent. Mais c'est bien et je trouve que c'est important pour la France aussi d'avoir une comédie musicale ou plusieurs même qui se jouent et que ce soit pas forcément qu'à la capitale, qu'à Paris que ça se passe. C'est pour ça que c'était assez intéressant aussi pour Bernadette de jouer, parce que Bernadette, la comédie musicale, se joue à Lourdes. Alors évidemment parce que ça parle de Bernadette de Lourdes, c'est the place to be, mais c'est un spectacle d'une qualité folle. Mmh. Et je trouvais ça génial d'avoir aussi un spectacle, comme quand on se déplace en tournée, mais tu sais en tournée, tu te déplaces, tu viens pendant 2 jours, 2-3 jours dans une ville et puis tu repars, c'est assez éphémère. Que là, c'était à Lourdes cette année, et ça y sera en 2024 aussi, et c'est 80 représentations, donc c'est toute l'année, quoi. Alors Damien, t'es un chanteur solo, t'as sorti des albums, mais en fait, tu peux pas t'empêcher de travailler en troupe, que ce soit en trio. Je pense au Forever Gentleman. Ouais, Forever Gentleman, qui était un album que j'ai adoré, qu'on a fait avec TF1, où on a eu la chance, en plus, d'avoir Paul Anka qui est venu chanter dessus. Enfin voilà, il y avait évidemment Rock Voisine, Danny Briand avec qui on a fait La Belle Vie, il y a eu Gad Elmaleh qui est venu chanter, enfin plein d'artistes très talentueux. Et puis c'était une aventure, tu sais, où d'un seul coup on te met le smoking, la petite coupe de champagne, tu joues au crooner, c'était un bonheur. Alors Damien, j'ai passé un peu du coq à l'âne. J'ai cru comprendre que tu avais posé tes valises quelque part sur le bassin. Oui, ma femme est bordelaise déjà. D'accord. Tu vois, donc on s'est rencontrés il y a 12 ans de ça. Et de Paris, évidemment, parce qu'on travaillait, moi je suis normand à la base, elle est de Bordeaux.
On a dû bosser pendant plusieurs années sur Paris, et puis au bout d'un moment, on a eu une petite fille, et quand on a eu notre petite fille, on a décidé de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait à Paris, dans la pollution et tout ça? Et on a décidé de revenir à Bordeaux. Donc on a vécu à Bordeaux pendant quelques années, et évidemment, quand t'es à Bordeaux, tous les week-ends, tu vas où? Sur le bassin. Sur le bassin, on est d'accord. Et puis on se disait, mais c'est... Il y a une douceur de vivre ici qu'on n'explique pas. Et moi, j'ai appris à connaître le Sud-Ouest comme ça. C'est elle qui m'a fait apprendre, qui m'a fait connaître le Sud-Ouest. Et j'ai adoré cette région, les forêts, les plages, l'océan. Moi, chez moi, en Normandie, je vais à la mer. Mais ici, on dit je vais à l'océan. Ouais, ouais, ouais. Déjà, d'un seul coup, tu vois ce que je veux dire? Et puis on s'est dit bah pourquoi pas habiter en vacances, et donc on a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir acheter une maison ici. Mais félicitations et content de t'avoir découvert un peu plus dans cette émission spéciale Plage FM avec qui on est partenaire. Avant qu'on se quitte, moi je voudrais faire une petite dédicace à deux personnes qui auraient rêvé de venir ici. C'est Cécile, l'une de nos animatrices, ouais. Mais surtout Mamounette, sa maman. Donc, ah oui, c'est vrai, j'adore, trop mignon. Un petit message à Mamounette. Eh bien, Mamounette, je t'embrasse. Et bien, nous passons le 29 avril à Bordeaux au Fémina avec Commune Musicale, le concert. Donc, venez nous voir. Donc venez nombreux au concert de Damien et surtout des comédies musicales. Vous allez retrouver plein d'artistes, plein de comédies musicales que vous avez peut-être regardées, aimées. Damien, merci pour cette rencontre. Merci à toi. Merci. Et au plaisir. J'adore ton prénom. Moi aussi. Merci.